Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien l'écouter. Hier, ça a été un 2 sur 2. Donc, super. Donc, nous allons continuer dans ce sens. Et j'ai deux pronostics à vous proposer. Mais là, ça va être du côté des femmes. Voilà, du côté des femmes. Parce que les cotes sont un peu plus belles que du côté des hommes. Enfin, pour les huitièmes de finale. Donc, n'oubliez surtout pas le petit pouce en passant dans la vidéo. Ça m'aiderait au niveau, bien sûr, de mes efforts quotidiens. Alors, pour cette première rencontre, il y a Cornet face à Tom Janovich. Alors, ils se sont déjà rencontrés. Voilà. Et c'est Tom Janovich qui avait remporté la victoire Wimbledon face à Cornet l'année dernière. Donc, pour moi, je mettrai Tom Janovich à 2-0-5. Voilà. Victoire. Le fait est qu'elle ait gagné déjà face à Cornet, même si ces deux joueurs se tiennent. Hein, faut savoir qu'ils sont à, on va dire, je crois que c'est sur le dur, hein, à deux partout. Hein. Donc, l'année dernière, elle a gagné à Wimbledon. Donc, pour moi, je pense que Tom Janovich va remporter cette victoire à 2-0-5. Ensuite, nous avons une deuxième rencontre. Badosa Gilbert face à Simona Halep. Gros match. Gros match. Pour moi, là-dessus, je vais mettre, ça sera une victoire de Simona Halep, tout simplement, due à son expérience. Et aussi qu'elle a gagné Wimbledon en 2019. Voilà. Donc, par contre, je sais que Badosa Gilbert est très très puissante. Hein. Très forte, donc il causera peut-être beaucoup de problèmes à Simona Halep, mais je mise sur l'expérience de Simona Halep à 1,50. Et le fait est aussi qu'elle ait déjà gagné. Voilà. Même si vous voyez par exemple qu'au classement, Badosa Gilbert est devant, mais elle n'a pas gagné de trophée majeur. Voilà. Voilà, ça sera tout, les amis. Bien écoutez, mettez vos pronos dans les commentaires, bien sûr, comme d'habitude. Et je vous dis à très très bientôt. Ciao, ciao.